du vin. Voilà l'homme que nous cherchions, Mystios. Kéré, l'ami Kéré. Je te reconnais, toi. J'ai confisqué tes bateaux, n'est-ce pas, au port? Justement, nous sommes venus les récupérer. J'aurais pu te demander pourquoi. Et puis, tout compte fait, je m'en moque. Parce que toi, t'es une Mystios. Laissons-le passer où il est, mon ami. Et trinquons! Mais pas avec cette mercenaire. Maintenant, du large. Oh, c'est vrai, vous pouvez pas. Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Un homme aussi intelligent que toi sait s'adapter à toutes les situations. Si tu m'aides, je t'aiderai. T'aider, t'aider, c'est bien joli. Mais si je dois risquer d'attirer sur moi la colère de la tempête, faut que j'y trouve mon compte, moi aussi. Il y a de précieux trésors à la crique de l'épave, pas très loin d'ici. Sinon, je ne crache pas sur quelques drachmes. Hein? Ça permet toujours d'acheter du vin. Je n'ai pas envie de courir. Voilà tes drachmes. Oh, oh, oh. Eh bien voilà. Et qu'il y en ait assez, surtout. Mon amitié n'est pas bon marché. Un marché est un marché. Et je n'ai qu'une parole. Il n'y a qu'un malak à mal léché pour trahir un serment. Je vais vous les rendre, vos bateaux. Mais vous n'arriverez jamais à échapper à la tempête. Regarde toutes ces épaves, Mystios. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Merci, Mystios. Nous avons ce qu'il nous faut. Et maintenant... Rontas, Cassandra. Inutile de verser le sang, Mystios. Contente-toi d'approcher tranquillement. Libérer ces gens a déclenché la colère de la tempête. Il suffit que quelqu'un accepte cette responsabilité et tout se passera bien. Alors choisis-moi. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est moi que tu cherches. Nous en avons assez fait. Inutile d'aggraver les choses. Promets-moi que notre projet sera mené à son terme. C'est elle qui a fait tout ça. Que de destruction. C'est terrible. C'est comme si elle était en train de devenir une étrangère pour moi. Quoi qu'il arrive, elle est de ton sang. Et elle restera ta fille. Les parents croient toujours en leurs enfants, aussi stupides que cela puisse paraître. J'aurais dû l'arrêter plus tôt, l'empêcher de rejoindre l'ordre. J'aurais dû... Quand viendra le temps d'affronter la tempête, ma fille-là... Que feras-tu, Cassandra? Je ferai de mon mieux pour la ramener. Je suis si fière d'elle. Je ne crois pas lui avoir jamais dit. Il y a tant de choses que j'aurais aimé lui dire. Il faut que j'aille aider les autres. Retrouvons-nous à Patrai quand nous serons prêts. Merci, Cassandra, pour tout.